Le tour de hanche en épaule à mi-hauteur. Dans ce mouvement, le lutteur commence par exercer une forte pression vers le bas afin de créer une réaction inverse chez son adversaire. La main positionnée sur l'épaule passe derrière la tête de l'adversaire et vient se positionner fermement sur l'épaule opposée. Puis il réalise un décalage circulaire pour venir se poster à genoux à côté de son partenaire. La technique se conclut par un puissant mouvement de rotation vers le bas. Le contact permanent est assuré par une pression constante du bras positionné sur la ligne des épaules. Cette technique est le mouvement parfait pour conclure sur une finale costale.